Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits de l'eau. C'est l'une des meilleures boissons naturelles qui nous aide à lutter contre plusieurs maladies, contre plusieurs maux. Le fait de boire de l'eau à jeun réveille notre organisme. Cela booste nos organes, plus précisément le cerveau, pour être beaucoup plus performant pendant toute la journée. Donc, boire de l'eau à jeun est idéal. L'eau, les chéris, est extraordinaire. Cela nettoie notre organisme en profondeur. Quand on se réveille, le corps est complètement déshydraté. Pour le réveiller, la meilleure boisson, alors la boisson la plus efficace qu'on peut prendre, c'est l'eau, même avant de se brosser les dents. On va boire un verre d'eau pour nettoyer le corps, pour éliminer les toxines avant de manger quoi que ce soit. Parce que les toxines sont quoi? Ce sont des substances fabriquées par un organisme vivant, tels que champignons, bactéries. Et ces substances-là, étant de trop dans l'organisme, entraînent bon nombre de problèmes. Cela nous empêche de rester en bonne santé et cela empêche l'organisme de bien fonctionner. Heureusement qu'il y a l'eau comme boisson naturelle, l'eau étant saine qu'on peut prendre pour gérer tout ça. Les toxines affaiblissent les fonctions du foie et des reins. Elles accélèrent la formation de gras et elles empêchent leur élimination. Donc, l'eau est idéale pour gérer tout ça, pour faire partir cette toxine dans l'estomac, dans l'intestin, ainsi que les acides durant la nuit. L'eau lutte également contre les maux provoqués par la déshydratation, tels que l'obésité, la dyspepsie, l'hypertension artérielle, l'angine. Donc, avec l'eau, on peut faire des miracles. Donc, vous avez intérêt. Alors, vous pouvez prendre jusqu'à 600 ml d'eau le matin à jeun, mais avant de vous brosser les dents. Et après, alors vous allez attendre 30 minutes puis pour prendre le petit déj. Et après le petit déj, si vous avez soif, vous attendez encore 30 minutes pour prendre l'eau, les chéris. C'est ça, c'est le principe. Si vous voulez vraiment rester en santé, si vous voulez garder une forme extraordinaire, le combat aussi. Les douleurs au niveau de la gorge, le phlegme, la toux, les éternuements, la fatigue, buvons de l'eau régulièrement. C'est idéal pour notre santé. Je vous encourage grandement à boire de l'eau, les chéris. Donc, aussi, alors, c'est une pratique qui est issue de la médecine traditionnelle de l'Inde, qu'on appelle encore la médecine ayurvédique, Ayurveda, et qui est connue sous le nom du Chapana Chikista. Chez les sages de l'Inde, ce qui purifie tout l'organisme. L'eau is life, les chéris. Nature is life. L'eau est naturelle. Boire de l'eau sans fluor est idéal pour notre santé. Et selon le docteur Rachna Pant, spécialiste qui travaille à l'hôpital d'Inde de Wiengeri, donc elle a déclaré que tous les nutriments sont transportés dans le corps à travers l'eau et les déchets sont éliminés à travers l'eau. Donc, c'est clair, c'est la vérité. Donc, boire de l'eau est la base. Et notre corps est composé jusqu'à 70% d'eau. On a intérêt à boire de l'eau, mais il faut le prendre, il faut commencer avec ça le matin à jeun. À peine réveillé, on boit son eau pour réveiller le système digestif, pour booster le métabolisme. Donc, c'est la base. Avant de prendre quoi que ce soit, la base, c'est de boire de l'eau. Encouragez vos proches. Encourager les autres à adopter ce principe. Alors, ce sont ces petites astuces-là qui sont vraiment idéales. Donc, elles ont leur importance. Ne les ignorez plus. Écoutez-moi. Je sais déjà que vous allez adopter ce principe parce que c'est bon. Ça va faire des miracles pour vous. Mais les chéris, c'est de l'eau tiède ou chaude que vous devez prendre. De l'eau chaude ou tiède pour gérer l'affaire. C'est sûr que bon nombre de choses vont changer pour vous. Ça va faire des effets pour vous, mais optez pour une eau sans fluor. Ok, autre chose. Vous pouvez mettre votre eau à la veille, par exemple sur votre table de chevet, depuis dans la soirée pour ne pas oublier de le prendre le lendemain. Mettez votre eau sur votre table de chevet, une façon pour ne pas oublier. Donc l'eau est vraiment nécessaire pour nous garder en bonne santé. L'eau est vraiment importante, l'eau est primordiale dans notre vie. On a intérêt à
à faire de l'eau notre priorité, on a intérêt. Les chéris, n'oubliez pas de partager la vidéo pour aider les autres. C'est la base. Hein? Unissons-nous pour servir Nature is Life. Commentez, likez, posez des questions. Je vous réponds. Bye bye.